Exercice de seconde sur les valeurs absolues. Première question, déterminez l'intervalle des nombres x vérifiant valeur absolue de x-5 inférieure ou égale à 1. Pour faire ce type d'exercice, je souhaiterais que tu apprennes cette formule. La valeur absolue de a-b, eh bien en fait, c'est la distance entre a et b, tout simplement. Et donc, c'est toujours un nombre positif. Donc ici, la valeur absolue de x-5, ça veut dire la distance de x jusqu'à 5. Et elle est inférieure ou égale à 1. Donc, je te propose de faire un petit schéma. Je fais la droite des nombres réels. Je place mon nombre 5. Et je cherche tous les nombres x sur cette droite où la distance jusqu'à 5 est plus petite que 1. Donc, ici, je vais mettre une distance égale à 1. Donc, 5 plus 1, ça m'amène à 6. Et de l'autre côté, je mets également une distance égale à 1. 5 moins 1, ça me mène à 4. Et donc, tous les nombres x dont la distance à 5 est plus petite que 1 vont se situer très exactement sur cet intervalle de 4 à 6. Et ici, comme j'ai inférieur ou égal, eh bien, les distances peuvent être égales à 1. Et donc, les crochets en 4 et en 6, je les ferme. Et donc, on a x qui appartient donc à l'intervalle 4-6 fermé. Pour la question 2, on me demande de compléter le fait que x appartienne à l'intervalle 0-10. Ceci équivaut à la valeur absolue de x moins quelque chose est inférieure ou égale à quelque chose. Alors, je fais encore une fois un petit schéma. Donc, voici ma droite des réels. Je vais placer donc 0 et 10. Et là, je sais que x est dans l'intervalle 0 jusqu'à 10. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de prendre le milieu de cet intervalle. Le milieu entre 0 et 10, c'est 5. Et est-ce que tu es d'accord que, comme x, il se balade dans cet intervalle, eh bien, ça veut dire que la distance de x jusqu'à 5, eh bien, elle est inférieure ou égale à 5. D'accord? Imagine que x se situe ici, eh bien, sa distance jusqu'à 5, c'est cette valeur-là, eh bien, tu vois qu'elle est toujours plus petite que 5. Donc, ici, je vais avoir la valeur absolue de x moins 5 qui est inférieure ou égale à 5. Et donc, c'est comme cela que je complète les trous. Voilà, dis-moi si tu as compris cet exercice dans les commentaires et abonne-toi pour progresser en maths.